Nous retrouvons Christian Frandéa pour nous évoquer la candidature de Powerful Blue dans le Quimpé de mercredi à Cannes-sur-Mer. Powerful Blue qui a été arrêté de longs mois. Pourquoi cela, monsieur Frandéa? Des problèmes de santé qui font que on va être obligé de l'arrêter. Le programme étant comme il est, ben elle se retrouve dans cette course-là. J'aurais préféré que pour sa rentrée, elle puisse finir au moins le parcours pour que ça lui serve de tremplin pour cette épreuve. Ça n'a pas été le cas. Donc j'ai peur qu'elle arrive encore un peu à court de conditions et qu'on subit un peu le programme. J'ai pas le choix. Elle a été arrêtée pour sa rentrée, hein. C'était un peu trop dur. Oui, ça a été très vite, elle est partie moyen, s'est trouvée rapidement en course, qu'elle a préféré l'arrêter. Voilà, depuis elle a travaillé normalement, on fait en sorte que les problèmes ne ressurgissent pas ou reviennent le plus tard possible. Donc pour l'instant, voilà, elle est restée à Cagnes, elle a travaillé, elle va se présenter au départ en étant, à mon sens, encore un peu à court de conditions. D'accord, donc ça va être peut-être un peu compliqué pour elle, là, cette fois-ci. C'est évident que si c'était la Powerful Blue du début d'année, ce serait une des toutes premières chances. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà. Des doutes légitimes. Tout à fait. D'accord. Parce qu'on la reverra après, ensuite, en meeting, je suppose. Durant le meeting de Cannes, je sais pas. On verra un petit peu comment ça va goupiller comment ça va se courir le prochain coup, mais le cas échéant, c'est une pouliche qui pourrait être dirigée sur Pau après, voilà.